صلى على سيدنا محمد. Si on se pose la question, est-ce qu'il y a un acte, ou bien penser un acte qui peut nous sauver le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, si on pense, il dit je veux être sauvé, et je dois faire quelque chose pour être sauvé devant Allah, à quel acte on penserait? Si chacun de nous se pose cette question, je dois faire quelque chose pour être sauvé. Quel acte? C'est une question. Parce que la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous y croyez? Hein? Sûr? Il y aura une rencontre avec Allah? J'en suis pas aussi sûr que vous. C'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas partie de notre programme. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, quand on se couche le soir, à quoi on pense? On dit demain je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Et en aucun cas on ne se dit si ce soir je rencontre Allah, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc la mort ne fait pas partie de notre programme et la rencontre d'Allah ne fait pas partie de notre vie. Donc si, supposons qu'on y croit à la rencontre d'Allah, à quel acte on penserait pour être sauvé le jour de sa rencontre? Quel acte peut nous sauver? La prière, le jeûne, la charité, hein? Le repentir, la miséricorde, qui dit mieux? Salawat ala nabi, qui dit mieux? Être avec notre chir. Tout simplement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si on essaie de faire le bilan, et tout ce que tu as fait dans ta vie, pense à un acte qui est digne d'être présenté à Allah. Est-ce qu'il y en a? Hein? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La seule chose qui peut te sauver, c'est l'amour. C'est le seul acte qui sauve. Qu'est-ce qui va sauver l'humanité le jour de la résurrection quand les gens vont demander l'intercession, Shafa'a, quand les gens seront dans l'attente, ils ne savent pas s'ils vont être jugés ou pas jugés, qu'ils attendent. C'est qui va intervenir pour eux? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce qu'il y a un acte qui va sauver l'humanité? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui va sauver l'humanité? Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ceux qui seront liés à Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui vont être sauvés. C'est ce lien qui va sauver. Mais parler d'actes, il n'y a pas d'acte digne d'être présenté à Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad, wa huwa Sayyid, le maître de la créature, il a dit, si Allah me demandait des comptes pour ce que j'ai fait avec mes deux doigts, il me mettrait en enfer. Qui c'est qui parle? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas d'acte digne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y en a pas. D'ailleurs, la première demande qu'on demande à Allah tout le temps, c'est al-maghfira, le pardon. Ça veut dire, je demande pardon
pour tous mes actes. Pardon pour les péchés. Pourquoi on demande pardon? Ah, pour les péchés. Pour tout. Même pour les adorations. Il ne faut pas demander pardon pour nos adorations. D'ailleurs, quand on termine la prière, la première chose qu'on dit, c'est quoi? Astaghfirullah al-Adim. Pourquoi? Tu viens de pécher pour dire Astaghfirullah? Tu crois que tu viens d'adorer Allah, mais tu demandes pardon pour cette adoration indigne d'Allah. Donc tu demandes, il faut plus demander de pardon pour les adorations que pour les péchés. Le péché, il est connu. Mais le péché dans l'adoration, il n'est pas connu. On ne le sent pas. Et on croit qu'on a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas d'acte qui peut nous sauver. Sauf le lien avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِيهِ وَيَقُولُ يَا. Et le jour où l'injuste, l'homme injuste, et quand on dit injuste, الظالم, injuste avec lui, الظالم لنفسه, ça veut dire il s'est privé de la connaissance d'Allah. C'est ça l'injustice. Tu as été injuste avec toi, dhalamta nafsak, ça veut dire tu t'es privé de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, le jour où l'injuste se mord les mains de regret. Yaqulu, il dit, il regrette, il se mord les mains et il dit, oh si j'avais prié, non. Oh si j'avais jeûné, non. Ou si j'avais fait des adorations. Non, la première chose qu'il dit, يَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي. Oh, si j'avais pris la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout disparaît. Qu'est-ce qui reste? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce lien qui sauve. Donc si tu veux être sauvé, demande à être en compagnie des sauvés. Mais compter sur toi ou tes adorations, tes actes, jamais. Il n'y en a pas. Il y a de l'homme qui est venu chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Rasulallah, mat as-sa'a, c'est quand le jour de la résurrection? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que tu lui as préparé? C'est pas très important de savoir le jour de la résurrection. Dis-moi ce que tu as préparé pour ce jour. Et cet homme apparemment, il est d'une grande finesse. Il lui a dit à Rasulallah, j'ai rien préparé. Ni salat, ni adoration, ni rien. Une seule chose. J'aime Allah et Rasulallah. C'est tout ce que j'ai préparé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aimé. Il est intelligent. Les gens, ils ont acquis cette finesse avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont eu la compréhension des liens qui se lient entre les hommes et Allah subhanahu wa ta'ala, et ces liens et leur persévérance même après la mort. Il dit, Rasulallah, j'ai rien préparé. Parce que nous aussi, on se dit, qu'est-ce que j'ai préparé? Tu vas commencer à réfléchir à tes adorations. J'ai jeûné, j'ai aidé un frère, j'ai fait... Tout ça, ça ne vaut rien. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala t'a aidé à le faire. Tu n'as rien fait de toi-même. Tu n'es qu'un instrument entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit, j'ai rien préparé, mais j'aime Allah et Rasulullah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Al-mar'u ma'a man ahab, l'homme est en compagnie de son amoureux. Tu es avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce lien d'amour qui peut te sauver. Qui tu aimes, ça sera ton compagnon dans ce bas monde et après la mort. Alors cherche et réfléchis, ton cœur, il est attaché à qui ou à quoi? Ça sera ton compagnon. Alors, faites un peu le... C'est quoi qui te hante? C'est quoi qui t'habite? C'est quoi l'amour qui change ta vie? C'est quoi l'amour qui habite ta vie? C'est cet amour qui conditionnera ta vie éternelle. C'est cet amour. Qu'est-ce que tu aimes? Hein?
Qu'est-ce que tu aimes? À quoi tu penses? Tu veux dormir quand tu te réveilles? C'est quoi ta préoccupation majeure? C'est ça l'acte qui va te sauver ou te noyer. C'est quoi la réponse? Hein? Par qui on est hanté? Ad-dunya, le bas monde. Ama, si on pouvait savoir la bénédiction de l'amour des hommes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des awliya Allah. Wallah, il n'y a pas meilleur cadeau que ce Allah subhanahu wa ta'ala te fasse rencontrer un homme d'Allah, il met son amour dans ton cœur. Ça, quand tu l'as, tu as tout. Tout disparaît devant cet amour, devant ce lien. Si tu veux être leur compagnon après la mort, tu dois être leur compagnon. Où? Ici. Tu dois t'y attacher. Ici, leur amour doit te hanter. Ici, tu dois y réfléchir. Ici. Allah, nos ancêtres, ils avaient toujours une da'wa. Je ne sais pas, au Maroc, moi je connais le Maroc, je ne connais pas tous les pays. Nos ancêtres marocains, ils ont une da'wa. Ils disent toujours, Allah yatina fujih min dozo. Allah yatina. Hein, je connais Kéfem Maghribia. Allah yatina fujih min dozo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie quelqu'un. Hein? Qu'il nous envoie quelqu'un qui nous fasse passer. Ça veut dire on n'a jamais compté sur nous-mêmes, mais qu'il nous envoie quelqu'un qui est accepté et qu'on soit accepté par notre lien avec lui. Alors, il faut chercher quelqu'un, il faut chercher quelqu'un, s'attacher à quelqu'un, être lié à quelqu'un, avoir dans son cœur ce quelqu'un qui peut te sauver. Comme Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sauveur de l'humanité. Tu veux être lié à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être sauvé? Hein? Tu veux? Tu veux? Tu l'aimes? C'est quoi le lien qui peut t'attacher à lui? Les gens qui l'aiment. C'est l'amour. Tu l'aimes? Wallahi, on peut mentir sur tout sauf sur l'amour. Tu peux raconter des histoires pour tout. Que pour l'amour. Amour, il y a un code bien précis. Deux, trois questions, ça y est, tu tombes dans le piège et on découvre que tu n'aimes pas. Tu peux dire j'aime Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux dire est-ce qu'on aime Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Hein? On n'a pas la capacité de l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux pas l'aimer. Pour nous, maintenant, la notion de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam existe? Il existe? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Tu as entendu des gens dire qu'il a existé un homme qui était prophète et qui s'appelle Mohammed. C'est tout ce que tu sais. Oui ou non? On l'a vu? Et si c'était un mensonge? Hein? Si c'était un mensonge. Donc, pour nous, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie du ghaib, al-ghaib. Quelque chose qu'on n'a pas vu, mais qu'on y croit. C'est du ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala, on y croit. On ne l'a pas vu. On n'a pas le moyen de le voir ni de le. Donc, mais on y croit. Ça fait partie du ghaib. Quelque chose que tu n'as pas vu, mais tu y crois. C'est une bonne chose. Yuminuna bil ghaib, ceux qui croient en l'imperceptible, c'est un degré aussi. Mais comment cheminer et transformer ce ghaib en yaqin? Donc, al-iman bil ghaib, c'est bien.
Mais l'yaqin, la certitude, transformer cette foi en certitude, et lisez le Coran. C'est des riyad. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit, le Baqara? Alif lam mim dalika al-kitabu. Hein? Hudan lil muttaqin. C'est une guidée des gens pieux. Alladina yuminuna bilghaib, l'oula, premier degré. Alladina yuminuna bilghaib, ceux qui croient en l'invisible. Ceux qui croient en l'invisible, comme nous. Nous, on croit en Allah, on croit en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre le chemin et cette cheminée. Et ce chemin et les étapes de ce chemin. Pourquoi? Parce que juste avant, quand tu as lu le Fatiha, c'est quoi qu'il y a avant le Baqara? Le Fatiha, qu'est-ce que tu dis dans le Fatiha? Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le chemin. Et ce chemin, il mène à où? Il mène à où? Hein? Il mène à Allah. Tu sais pas ce que tu lis. Pour qu'est-ce que tu demandes? Ihdina sirat al-mustaqim. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller où? C'est quoi ta... sa destination finale? Est-ce que tu demandes à être guidé vers Allah quand tu dis ihdina sirat al-mustaqim? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis ihdina sirat. Vous connaissez le Fatiha? Qu'est-ce qu'on dit? Ihdina sirat al-mustaqim. Est-ce qu'on dit ihdina, c'est-à-dire guide-nous vers toi? On dit guide-nous vers le chemin. Donc il y a le chemin et il y a des voies qui mènent à ce chemin. Et nous, on demande à être guidé vers le chemin. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas le but du chemin. On ne demande que le chemin. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le chemin. C'est pour ça qu'il y a tariqa. At-turuq, les voies sont plusieurs. Mais sirat, elle est un. C'est pour ça qu'il y a tariqa, ça, tariqa, naqshbandiya, tariqa, tout ça, c'est des voies qui mènent au as-sirat, au grand chemin. Donc tu demandes à Allah de te guider vers le chemin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'explique après dans le Baqara. Juste après, il t'explique. Il te dit, voilà le chemin. Voilà le chemin. Il te dit, dalika al-kitab wa la raybi fi, hudan, hudan. Tu viens de dire, ihdina, ihdina. Et là, qu'est-ce qu'il te dit, Allah? Il te dit, Allah, ce livre, c'est une guidée, suis ce chemin. Alladina yuminuna bilghaib, ceux qui croient en l'invisible. Kemmel, wa yuqimuna, prie. Zid. Wa mimma razaqnahum. Et ceux qui croient en ce qui t'a été révélé avant toi et ce qui a été révélé à toi, et qui sont arrivés à la certitude. Donc il y a un chemin, et ce chemin, il commence par croire en l'ghaib, l'invisible, et qui mène à quoi? Mène à la certitude. Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il existe. Mais c'est du ghaib. C'est du yaqin, c'est une certitude. C'est une certitude. Hein? C'est pas une certitude. Donc, toute notre foi, c'est une foi de débutant. Comment arriver à la certitude et le yaqin? Comment transformer l'amour de Sayyidina Muhammad? Et Sayyidina Muhammad le sortir du monde de l'invisible vers le monde de yaqin? Hein? C'est pour ça que le cheikh, il est indispensable pour cheminer dans cette voie qui te mène de l'invisible à la certitude. Pourquoi? Parce que le cheikh, il est un homme comme toi. Tu le vois, un corps. Et tu vois cheikh. Hein?
Quand tu vois cher, c'est du yaqin ou c'est pas du yaqin? Hein? C'est du yaqin, une personne vivante qui est devant toi. Donc c'est un yaqin. Mais c'est un yaqin pour cheikh, pas pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce yaqin de cheikh qui te mène à l'yaqin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que cheikh, il est habité que par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cheikh, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme l'invisible en yaqin par le yaqin de son existence. Il est devant toi, tu le vois. Donc la sahba et la compagnie et l'amour de cheikh, c'est ce qui peut te sauver. Ou dire, ne pas dire cheikh, parce qu'il y a des gens qui sont peu, qui n'aiment pas ce mot. La sahba et la compagnie et l'amour d'un homme habité et qui a acquis la certitude de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mène à la certitude de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas la capacité de le connaître et avoir la certitude. Tu n'as pas. Parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un corps maintenant, c'est un esprit. C'est un esprit. Et tu as le moyen de détecter ou bien d'être connecté à cet esprit? Tu as les moyens? Non. Tu n'as pas de moyens. Mais le cheikh t'apporte la facilité de son corps, de son existence. Tu le vois. Et tu t'attaches à cette personne, à cette image, à ce visage, à ce corps et cette certitude. Plus tu t'y attaches, plus tu te trouves avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, Sayyidina Cheikh Rajab, il a une parole, il dit, j'ai jamais embrassé la main de mon cheikh sans être sûr que c'est la main de Sayyidina Rasulullah. Et quand tu as cette niya et cette certitude, il te mène à Rasulullah. Le cheikh, il n'est rien. Cheikh, il n'est rien. Il porte quelque chose qu'on lui a confié. C'est tout. C'est un gardien. Tu sais que s'il y a une banque, la personne la moins payée, la moins riche de cette banque, c'est le gardien. Il la garde. Ça en fait un propriétaire. Ça fait de lui un riche. Mais c'est un gardien. Un cheikh, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié quelque chose. Il la garde. Ça ne lui appartient pas. Donc, qu'est-ce que tu vois dans cheikh? Ce que tu vois dans cheikh et ce que tu attends dans cheikh et la certitude que tu as pour cheikh, tu vas l'avoir. Si tu vois qu'il est gardien de la lumière de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu auras Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu vois en lui un homme de science, tu auras la science. Si tu vois en lui quelqu'un de normal, tu auras la normalité. Si tu le vois par curiosité, tu auras ta curiosité. Ce que tu veux, tu l'auras. Ce que tu vois en cheikh, tu l'auras. Nos ancêtres, ils appellent la compagnie de Awliya Allah, ils disent c'est souk salihin, le souk des Awliya. Et tout ce que tu veux, tu l'as. Même si tu veux khladar babak, tu l'auras dans ce souk. Si tu viens avec une mauvaise niya, tu auras ce que tu veux. Ta mauvaise niya, tu l'auras. Tout ce que tu veux. Il ressort de chez Awliya Allah les heureux et les malheureux. À tout le monde qui a connu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a fait un heureux? Hein? Il y a eu des malheureux. Et nous, quand on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, quand on fait la prière sur Sayyidina Muhammad et la famille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, il ne fait pas partie de la famille de Sayyidina Muhammad? Hein? C'est son oncle. Ça fait de lui un heureux? Hein? Ça n'a pas fait. Donc tout ce que tu veux. Donc sohbat awliya Allah, sohbat salihin, c'est ça qui peut te sauver. L'amour, qu'est-ce que tu as aimé? Qui tu as aimé? Et quel degré d'amour? C'est des Abu Madian al-Ghawt. Moulay Ibrahim, fina wa Moulay Ibrahim. Ibrahim, ya Ibrahim.
Dès que il est allé me chercher à l'aéroport, Ibrahim, il m'a dit, il m'a parlé de Sidi Abu Midian al-Ghaout, un wali Allah qui s'appelle Abu Midian al-Ghaout, qui a un poème très célèbre qui s'appelle Ma laddatu al-Aishi illa sohbatu al-Fuqara. Vous le connaissez? Tu le connais, Abu Soumaya? Ma laddatu al-Aishi illa sohbatu al-Fuqara humu salatinu wa sadatu wal-Umara. Sidi Abu Madian al-Ghaout, c'était un prince, il était un prince, un fils de roi en Andalousie. En Andalousie. Donc il avait la belle vie, si j'ose dire. La belle vie, la facilité. Et à un certain moment, il a été, comme on dit, djdb, il a été attiré par la divinité. Donc en Andalousie, où est-ce qu'il est allé? Automatiquement, il est allé où? Quand il sait. Il est allé au pays des Majadib, des fous, le Maroc. Il a immigré au Maroc et il est allé chez un cheikh qui s'appelle Moulay Bouazza. Moulay Bouazza, qui était un pauvre, un démuni, qui vivait sans rien, qui ne mangeait rien, mal habillé, avec une apparence qui laisse à désirer. Et il a laissé toute cette facilité et la vie de prince qu'il avait en Andalousie. Il est allé où? À la compagnie d'un pauvre, d'un misérable. C'est Moulay Bouazza, c'est son cheikh. Et il a écrit un poème. Il a dit, « Ma laddatu al-aish, les délices de la vie, et la beauté de la vie et la compagnie des démunis. C'est eux les sultans, les rois et les princes. » Il a découvert les vrais princes. Son prince, c'est qui? C'est son cher. Ce cher, ce pauvre, ce misérable, il a trouvé qu'il était le vrai prince. C'est ça le prince. La belle vie, c'est la compagnie de ces princes, les fuqara. Donc, quelle vie? Pourquoi il dit la belle vie? C'est la compagnie des pauvres. Quelle vie? La vie éternelle. Ici et dans l'au-delà, et dans la mort, et dans le monde intermédiaire. Toute cette vie n'est belle et délicieuse que par la compagnie des Awliya Allah. La vie dans le paradis. Elle est belle, la vie dans le paradis? Wallah, pour moi, le paradis est d'un éternel ennui s'il n'y a pas la compagnie des Awliya Allah. Afi, matel bishart bi kullak al-janna bala nas ma btendas. En Orient, ils ont un proverbe, ils disent que le paradis sans homme ne vaut rien. Si on te donne le paradis tout seul, qu'est-ce que tu vas y faire? Manger, dormir? Ce qui fait la beauté du paradis, c'est quoi? Hein? C'est la compagnie. Et la compagnie du paradis, ça sera quelle compagnie? D'ici. Ta compagnie ici sera ta compagnie dans le paradis. Avec qui tu es là, tu seras là-bas. Il ne faut pas s'attendre à un miracle au paradis. Le paradis, c'est la vie que tu as vécue ici. Tu vas la vivre dans le paradis, dans une autre dimension. Si ici tu es dans le paradis, là-bas tu seras dans le paradis. Et si tu es dans l'enfer, là-bas tu seras en enfer. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. Et celui qui est aveugle, atteint de cécité ici, sera atteint de cécité là-bas. Regarde ta compagnie ici, ce sera ta compagnie là-bas. Ton cœur est atterri par quels hommes? Ce sera tes compagnons là-bas. Il n'y aura pas de miracle. Il ne faut pas croire que ta vie dans le paradis, c'est où? C'est où? C'est ici. C'est ici le paradis. C'est pour ça que il y a une loi.
Il y a une loi. On dit que le dunya, ce bas monde, c'est un monde de travail. C'est un monde de labeur. Et dans l'au-delà, dans le Jannah, il y a une récompense et pas de labeur. Sauf pour les hommes d'Allah. Sauf pour qui? Les hommes d'Allah. Ils n'arrêtent pas. Est-ce qu'il y a des adorations dans le paradis? Hein? Est-ce qu'il y aura la prière et le jeûne et le hajj? Hein? Il n'y a pas. Sauf pour les hommes d'Allah. Vous le saviez ça? C'est quoi la vie d'un homme d'Allah? D'être toujours en compagnie avec Allah. Sa vie, c'est sauver les autres. Il n'a pas de vie. Sa vie, c'est sauver les autres. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans le paradis, il va se reposer. Ça sera quoi son travail? Hein? Quand les gens du paradis iront au paradis, les gens de l'enfer iront en enfer. Sayyidina Muhammad, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir et se reposer. Et les awliya, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Abdallah? Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est, Mohamed? Je ne le vois pas. Il est en enfer. Oh Allah, non! Je l'ai connu, il était avec moi. Allah, sors-le de l'enfer. Donc, toute la vie de Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et des awliya dans le paradis, ça sera quoi aussi? Sauver les autres. Pourquoi? Parce que ici, ils sauvaient les autres. Ils vivaient pour les autres. Donc, ils continueront à vivre pour les autres, même dans le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leurs demandes, les uns après les autres, les uns après les autres. Il va les sortir de l'enfer pour les mettre au paradis. Tu crois que, Awliya Allah maintenant, tu crois qu'il se repose? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam maintenant. Il se repose? Notre Cheikh, il se repose? Wallah, il ne se repose pas une seconde. Une seconde, il ne se repose pas. Pas de répit. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la mort, quand il était en train de céder l'âme, à ce moment-là, où on ne pense qu'à soi, et qu'il ressentait la douleur de la mort, il dit, oh Allah, allège cette douleur pour ma nation. Tu es en train de mourir. Tu vas chez Allah, tu es en train de céder l'âme. Et il est où? Il pense à qui? À nous. C'est comme ça. Quand on est piqué par cette mouche, on est piqué par cette mouche. Toute ta vie et toute ta mort, et tout, là, dans le delà, ça sera pour les autres. Tu ne penseras jamais à toi. C'est pour ça que les gens, ils croient que Awliya Allah, il meurt. Ils croient que le wali, il meurt. Il est parti, ça y est, Mcha. Wallahi, s'il n'y avait pas le travail de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou Awliya Allah, wallahi, on n'aurait pas la capacité d'être ici en ce moment-là en train de se voir. Tu crois passer par nos efforts? Nos efforts, qu'est-ce qu'ils méritent? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mort? Il est parti? C'est nous qui sommes les morts. Donc, cette vie est la vraie vie, et cette vie de délices et de princes et de sultans et de grands, c'est la compagnie de ces hommes. Être avec eux, être dans leur compagnie. Et cette compagnie n'est pas physique. Cette compagnie n'est pas physique. La compagnie, c'est une compagnie spirituelle. Le contact physique, elle est bien, il est indispensable. Mais il faut transformer cette compagnie physique en compagnie spirituel. C'est ce qu'appelle Awliya Allah Rabita, le lien spirituel. Attache-toi à Cheikh spirituellement. Par quoi? Par le respect de l'engagement. Le respect de l'engagement. Et Cheikh, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Dhikrullah.
Tu as le dhikr, le lien est là. Pas de dhikr, Cheikh, il ne peut rien pour toi. Même s'il voulait. Il ne peut rien pour toi. Il n'y a pas... Il a la batterie. Mais le fil n'est pas attaché. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a pas de fil. Donc il ne peut rien faire pour toi. Donc être attaché à Awliya Allah, être attaché à un homme d'Allah. Là, quand, est-ce qu'il est possible pour un amoureux de dormir sans penser à son bien-aimé? Hein? Il est possible? Est-ce qu'il est possible pour un amoureux de manger sans savoir si son bien-aimé a mangé? C'est possible? C'est un amoureux qui mange et qui dort sans penser à son bien-aimé? C'est un amoureux? Répondez-moi. On a cet amour, nous? On l'a? لكن أسأل الله العفو العافية ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء فاصحبهم وتأدب وتأدب في مجالسهم سواء en leur compagnie et sois poli avec eux et le adab avec eux. Au moins si tu ne peux pas avoir l'amour et au moins l'adab. الأدب avec eux. وخلي حظك مهما قدموك ورا. يعني sois et le adab avec eux et jette toutes tes demandes avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire jette toutes demandes avec Allah? Quand tu viens voir Cheikh, c'est pourquoi? Pourquoi tu viens voir Cheikh? Et pourquoi tu cherches un cheikh? C'est une question qui se pose. Pourquoi tu viens chercher? Tu as une demande? Répondez. Tu as une demande? Voilà, la meilleure des choses, c'est ne pas avoir de demande. Et cheikh, il nous le dit, Sidi Abou Mdi Al-Raout, il le dit dans ce poème. Il dit, jette toutes tes demandes derrière toi. Et ta demande doit être... qu'une seule demande chez Cheikh. Être accepté par le Cheikh. Demandez Cheikh. Qu'est-ce que tu veux? Je te veux toi. Pourquoi tu viens de me voir? Pour toi. Yajouz. Il y avait un roi qui aimait beaucoup un ministre à lui. Et tous les autres étaient jaloux de ce ministre, très rapproché, très aimé par le roi. Et il avait beaucoup de problèmes de jalousie. Un jour, le roi, il a voulu leur montrer pourquoi il l'aime plus que les autres. Il était assis avec tout le monde dans son palais. Il leur a dit, aujourd'hui, je suis très content. Je vous permets de prendre tout ce que vous voulez de ce château. Alors, tout le monde s'est rué. Il y en a qui prennent des bibelots, ils prennent... le téléphone, il prend le tapis, tout le monde arrache un tableau, tout le monde courait, sauf ce ministre, il s'est précipité sur le roi, il l'a porté. Elle dit, lâche-moi. Elle dit, c'est toi qui as dit, je vous permets de prendre tout ce que vous voulez, il n'y a rien dans ce palais qui me plaît, sauf toi, je te prends. Alors il lui a dit, pose-moi. Il a dit, regardez pourquoi je l'aime plus que vous. Vous, vous aimez le roi pour ses biens, et lui, il aime le roi pour le roi. Soyez témoins qu'il sera roi après moi. Donc, jette toutes tes demandes derrière toi, et laisse une seule demande. C'est quelle demande? Oh là, vous croyez que Cheikh, il a besoin de notre amour? Là, si on essayons d'être un peu seigneur, si on est bas, on va, Cheikh, il a besoin d'être aimé, le pauvre, il a besoin de cet amour, il veut se donner de la valeur.
Cheikh, il a eu l'amour d'Allah. Qu'est-ce qu'il va faire de ton amour? C'est quoi ton amour par rapport à l'amour d'Allah? Mais on est très petit. On est petit de penser et on croit que un Cheikh, il veut se donner de la valeur. Cheikh, il a eu Allah et l'amour d'Allah et la proximité d'Allah. Qu'est-ce qu'il va faire de toi et de ton amour? C'est toi qui en as besoin. Donc, ça c'est l'amour suprême. Aimer Cheikh pour Cheikh. Yajouz, c'est halal ou bien c'est haram ou bid'a? Hein? Et si tu aimes Cheikh pour Cheikh, tu vas te retrouver avec qui? Plus tu t'attaches, plus le voile se lève. Et à un certain moment, tu vas te retrouver avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tu verras qu'il n'y avait au fait pas de Cheikh. Le Cheikh n'est pas là. Il n'y a que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma laddatul aish illa sohbatul fuqara humus salatin wa sadatu wal umara. فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك ورا. Quoi qu'il te donne et quoi que tu as d'eux, oublie tout et jette et attache-toi à eux. واستغني من الوقت واحضر دائما معهم. Profite de ton temps et sois toujours avec eux. Qu'est-ce qu'il dit? Profite du temps et sois toujours avec eux. Est-ce qu'il est possible d'être toujours avec Cheikh? Hein? C'est possible? Cheikh, il a sa vie, sa famille, son travail. Hein? Comment tu peux être avec Cheikh tout le temps? Et il dit « Daïman ». والله سبحانه وتعالى دون القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أو homme de foi, أو croyant, اتقوا الله, craignez Allah et soyez avec les sincères. Comment on peut être avec les sincères? Et quand on dit soyez avec les sincères, ça veut dire tout le temps. Est-ce qu'on peut être avec Cheikh tout le temps? On peut être avec Cheikh tout le temps. On peut être avec Cheikh tout le temps. Une fois, j'étais avec Sidna, Cheikh Al-Hajj, fait Al-Hajj. On a fait le Hajj ensemble. Et il y avait un frère du Liban, qui a demandé à un frère qui faisait le pèlerinage avec Cheikh, il lui a dit, s'il te plaît, quand vous serez à Arafat, demande à Cheikh de faire du doua pour moi. Et il a écrit cette demande sur un papier, une lettre. Il lui a dit, quand vous serez à Arafat, donne-la à Cheikh. Et Cheikh, quand il va l'ouvrir, il lira ma demande, il va faire sûrement dua pour moi. Et on était à Arafat. Et le frère, il a sorti le mot. Et il a dit à Cheikh, le frère tel au Liban, il te demande du dua et voilà une lettre qu'il t'a envoyée. Et Cheikh, il l'a prise, il l'a ouverte, il l'a lue. Il l'a replié, il l'a mise dans sa poche. On a fini Arafat, on est rentré, et Cheikh est rentré. Il n'a pas fait un doua pour ce frère. Pas un doua. Et quand Cheikh est rentré au Liban, ce frère est venu dire, Sidna, tu as fait un doua pour moi, je t'ai envoyé une lettre, et le frère t'a dit, il a dit, Cheikh, je ne t'ai pas fait un doua, mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais cette journée? Tu veux que je te le dise ou que tu me le dises? Il a passé sa journée à jouer aux cartes. Et il veut que Cheikh il fasse dua pour lui. Cheikh, il veut te donner et tu lui donnes le dos. À qui il va donner? Donc, il n'a pas une seule doua. Et moi, ce truc, ça m'est resté dans la tête. Quelques années plus tard, Cheikh, il est parti à l'Hajj. Et moi, j'ai dit, allez,
Le jour de Arafat, je ne vais pas faire la force, je ne vais pas jouer aux cartes, je vais essayer d'être lié avec Sidna Cheikh. Et je me rappelle, c'était une journée de garde dans la pharmacie, et je travaillais dans la pharmacie, mais malgré tout ça, j'ai passé toute la journée, du matin au soir, ce jour de Arafat, où Sidna était al-Hajj, à dire « Allahumma j'ai anna Sidna Cheikh Rajab khair jaza, Allahumma j'ai anna Sidna Cheikh » Je faisais des doigts pour Cheikh Rajab toute la journée. J'ai respiré Cheikh Rajab du matin au soir. Allahumma j'ai anna Sidna Cheikh Rajab khair jaza, Allahumma j'ai anna Sidna Cheikh Rajab. Deux jours plus tard, j'ai appelé Sidna al-Hajj pour lui dire « Salam alaikum ». Il a dit « Mon fils, tu ne t'es pas absenté d'à côté de moi une seconde le jour de Arafat ». Je lui ai rien dit. Il m'a dit, tu t'es pas absenté une seconde d'à côté de moi le jour de Arafat. وَاسْتَغْنِمِ الْوَقْتَ وَكُنْ دَائِمًا مَعَهُمْ. Sois avec eux tout le temps. Si c'est possible avec le corps, tant mieux. Si ce n'est pas possible, sois avec eux. Fais le doha. Fais le doha pour Cheikh. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de faire salat ala le Nabi. S'il vous plaît, faites salat sur moi. Il en a besoin. Allah sallallahu alayhi. Allah il fait salat alayhi. Inna Allah wa malaikata. Et les anges sallallahu alayhi. Il a besoin de ta salat toi. Mais malgré tout ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, faites salat ala le Nabi, sallu alayya, et si vous faites une seule fois, Allah l'a fait 10 fois, il essaie de nous encourager et de notre ça, comme si lui, il avait besoin de cette salat. Et au fond, il a besoin de cette salat pour toi, parce qu'il vit par toi. Il veut te sauver. Donc, quand tu fais salat, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, sois avec moi. Quand tu fais salat, tu évoques le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu es avec lui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Sallu alayhi. Sallu alayhi. Fa inna Allah wakala bi malakan yusilu ilayya salata man salla alayhi. Faites la prière sur moi. Allah, il a nommé des anges pour me transmettre. Sauf le jeudi soir et le vendredi, il m'arrive sans intermédiaire. Ça veut dire quand tu fais salat à le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi il l'entend directement dans son oreille. Donc quand il t'encourage à faire salat, pourquoi il te dit salat? Ça veut dire sois avec moi, connecte-toi à moi. Et Cheikh Abu Madian dans ce poème, il dit fastaghni mil waqta wa kun da'iman ma'ahum. Sois toujours avec eux. Ne les abandonne jamais. Sois avec eux. Je peux aller plus loin. Là, vous allez dire, Cheikh, il va commencer à... il est là, comme... Wa'alam bi'anna rida, la bénédiction d'Allah, il couvre la personne qui est avec Cheikh. Soit avec lui. Et quand Cheikh, il reçoit une bénédiction, qui c'est qui la reçoit aussi avec lui? Celui qui est avec lui. Je crois que le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez le hadith, les gens qui sont en réunion de dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des anges, les anges les couvrent, et Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges qu'est-ce qu'ils font, ils sont en train de t'évoquer, ils disent la ilaha illallah, ils disent subhanallah, ils font du dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, c'est un long hadith, c'est pas le sujet, il leur dit, soyez témoins que je leur ai pardonné et je leur donne et leur exauce tous leurs vœux. Il y a un ange qui dit, oh Allah, ils ne sont pas tous venus pour dhikr. Il y a une personne étrangère qui est venue pour affaire et qui a assisté à cette séance, mais n'est pas venu pour dhikr. Il ne fait pas partie d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, humul qawmu la yashqa bihum jalisuhum. Ce sont les heureux et personne n'est malheureux quand il est avec eux, même si on ne fait pas partie. فَاسْتَغْنِي مِلْوَقْتَ وَكُنْ دَائِمًا مَعَهُمْ. Profite du temps et sois toujours avec eux. Tu peux être toujours avec Cheikh. Hein? Toujours avec Cheikh. Tout le temps. C'est le Cheikh Rajab. Il dit, j'ai jamais,
dormi une nuit sans tendre mon bras pour mon cher, pour qu'il dorme à côté de moi. C'est possible? Allah, qu'Allah nous fasse. Je dois m'arrêter parce qu'après je vais dire des choses qui ne seront pas acceptées. Et qu'on va s'arrêter là, dans la limite de je ne sais pas si. C'est, mais la ilaha illallah, qu'Allah nous fasse connaître les hommes d'Allah et la réalité des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous sauve par leur compagnie. Wallah, ya Allah, on n'a pas d'acte digne de toi. Mais sois témoin, on a aimé quelqu'un pour toi. Notre Cheikh, c'est tout ce qu'on a. Si Allah te demande un jour, qu'est-ce que tu me ramènes, tu lui dis, oui, j'ai aimé Cheikh Rajab. C'est tout ce qu'on a. Sallina ou somna. Je dis, le hâte de l'kharaj. حط بالخرج شحال داز ديال الوقت لا اله الا الله لا اله الا الله avez des questions? Qu'Allah lui pardonne. Maghfirli. Allahumma jzi 'anna sidi Cheikh Rajab khayr al-jazaa. Jzi 'anna sidi Cheikh Rajab khayr al-jazaa. Qu'Allah récompense le Cheikh Rajab de la meilleure des façons. Wa ma ja'a nasi de Cheikh Rajab khair al-jaza. Notre question? Pardon? Vous avez raison, il n'y a pas de question. Il y a peut-être ce genre de sujet, qu'est-ce que tu vas demander? Quand on est noyé dans sa miséricorde et sa présence, qu'est-ce qu'on va demander? On a tout. Ça, c'est le paradis. Ça, c'est le paradis. Si on te dit maintenant tu vas au paradis, tu restes dans cette assemblée, qu'est-ce que tu dis? Hein? Qu'est-ce que tu vas dire? Vas-y, laissez-moi ici. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dina ya Allah, ala barakatillah. Jazakumullahu khairan. Merci à tous.